Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve aujourd'hui, je vais vous transmettre les deux cartes, deux messages du jour que vous avez à recevoir. Et nous allons commencer avec ce magnifique oracle. On va voir donc les deux messages que vous avez à recevoir tout de suite maintenant. C'est du général, donc vous prenez uniquement ce qui résonne au plus profond de vous. Je sais pas du tout sur quoi ça va porter, on va le découvrir ensemble. Je tenais à vous remercier pour votre présence, merci pour tous vos jolis commentaires. Merci pour tous vos jolis commentaires, merci pour vos likes, pour vos abonnements, merci pour tout, pour tout, pour tout. Alors là, ça a sauté, je vous transmets le message, mais je vais reprendre un autre. C'est l'ange Aurore. Alors aujourd'hui, en fait, vous êtes peut-être dans des énergies à l'intérieur de vous. En tout cas, là, vous vous envolez. Vous vous envolez à présent très haut. Ça peut effrayer les autres. Donc ça peut être votre entourage, ça peut être la personne de votre cœur. Ça peut être au niveau de votre professionnel, au niveau de votre cercle relationnel. On vous dit de surtout pas redescendre. Peut-être que vous êtes plein, rempli d'énergie. Voilà, on vous dit de surtout pas redescendre parce qu'en fait vous allez vraiment vite. On peut peut-être pas trop forcément vous comprendre pourquoi vous vous envolez, pourquoi vous prenez, voyez, vous envolez, hein, vous prenez vos grandes ailes et vous volez par vous-même. Et peut-être qu'on va pas forcément vous comprendre en fait, mais on vous dit surtout de ne pas redescendre parce que ce sera vraiment des personnes qui vont être à un moment donné, en fait, qui vont vraiment être inspirés par votre exemple. Et ça va être une réussite. Vous allez avoir une victoire. Et en fait, de surtout envolez-vous, continuez à vous envoler très haut. Continuez à vous envoler très 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 haut. À présent et pour tout le temps. Continuez. Parce qu'en fait, ça va être une victoire pour vous. Vous allez réaliser, pour moi, plusieurs vœux, plusieurs souhaits, plusieurs désirs. Ça peut être 3. Et pour moi, ça va être bientôt réalité. Il va falloir vraiment que vous continuez comme cela. Voilà. Allez, je reprends un parce que là, c'était des messages. On m'a dit qu'il faut aller les transmettre. Donc, je les ai transmis, mais on va reprendre un autre pour le message du jour. Je sais plus si je vous ai demandé, je préfère vous demander deux fois que pas du tout. J'espère que vous avez passé... non, j'espère que vous vous portez bien. Vous avez passé une bonne journée. Non, la journée, c'est maintenant. Bon, j'espère que vous n'avez pas trop chaud. Pensez à bien boire, à vous rafraîchir. Comme vous pouvez, du mieux que vous pouvez. Oh là là, regardez pour aujourd'hui. L'ange Daniel, je suis l'ange du mariage et je vous assiste aujourd'hui. Donc là vous avez une assistance de l'ange Daniel. Ça peut être il y a un gros appui, on a peut-être fait une demande en fait, peut-être la personne de votre cœur a fait une demande en fait pour vous, soit pour une demande en mariage. Ça peut être des fiançailles aussi, mais en tout cas là il y a une demande qui a été faite, il y a un retour positif, il y a l'ange Daniel qui vous accompagne et il va vous transmettre plein d'informations, plein d'idées, par vos intuitions, des messages très forts par vos intuitions durant toute la journée. Il va vous porter des petits conseils, peut-être de faire ainsi, de faire comme cela. C'est peut-être aussi, vous avez peut-être un petit peu de l'appréhension peut-être pour faire une demande en mariage, une demande de fiançailles. Voilà, il y a peut-être, on a peut-être des peurs aussi, donc demandez aussi à l'ange Daniel. De toute façon, il est là, il vous porte l'assistance. Il va vous apporter aussi, peut-être durant cette nuit, durant vos rêves, des messages. Vous allez recevoir par vos rêves des messages. Donc ça peut être des idées, hein, des idées. Ça peut être, pour moi, ça peut être une demande en mariage atypique, originale. Où il y a du peps, hein. Beaucoup, beaucoup de... Voilà. Magnifique message. Très beau. Ensuite, on va prendre un petit message avec ce magnifique oracle. On va voir le message du jour. Alors là, aujourd'hui, je ne vous ai pas fait choisir. Bon, bah, écoutez, des fois, c'est comme ça. je suis ce qu'on me demande de faire. Alors,
petit message du jour à transmettre ici et maintenant. C'est celui-ci. Alors, c'est la carte 31, c'est le porteur de lumière. Carte 31, le porteur de lumière. Oh là, attendez. Oh, ça tient, c'est bon. Vous pouvez mettre pause hein, si vous voulez faire une capture d'écran. Alors, le message que vous avez à recevoir pour tout de suite maintenant, avec le porteur de lumière. Alors, le porteur de lumière. Nous avons tous le potentiel, donc on vous rappelle que nous avons tous le potentiel d'être des travailleurs de lumière. Peu importe où nous en sommes dans notre cheminement spirituel. La décision de choisir consciemment si vous avez envie de contribuer au travail de lumière sur Terre vous revient. Dans votre plan de vie, vous avez choisi l'option de contribuer à l'éveil des consciences sur Terre. Au processus de guérison universelle qui s'opère à cette période de l'expérience humaine. Nul besoin de changer qui vous êtes, de quitter votre travail ou alors de changer de vie. Pour transmettre votre lumière, il s'agit simplement de prendre conscience du rôle unique que vous êtes en mesure de jouer et de vous laisser guider par celui-ci. Mais être travailleur de lumière nécessite un retour vers soi, une décision consciente d'être, de travailler sur vos propres parts d'ombre, de cheminer vers la connexion humaine et divine au quotidien, afin de laisser la lumière en soi faire le travail de guérison qui peut aider ceux qui en ont besoin. Vos guides et une multitude de groupes de conscience ont conspiré avec votre âme et la source pour vous inspirer à tirer cette carte. À écouter aussi, accueillir cette mission sacrée d'être et de transmettre consciemment votre lumière ici, sur Terre. Il n'y a aucune urgence dans la vibration de cette carte et il n'est pas nécessaire d'entreprendre d'immenses actions, de tenter de sauver tout le monde autour de vous. Donc on vous dit vous pouvez entreprendre, il n'est pas nécessaire en fait d'entreprendre d'immenses actions. Il n'est pas aussi nécessaire en fait de tenter de sauver tout le monde autour de vous. Permettez-vous plutôt d'être qui vous êtes, de faire votre propre travail de guérison et d'introspection, et d'accueillir aussi les synchronicités qui vous guident vers le lieu. Donc là pour moi vous allez recevoir, accueillir aujourd'hui, vous allez recevoir énormément de synchronicités qui vont vous guider vers le lieu où votre lumière est requise en fait. Vous êtes un travailleur de lumière, cessez de douter et permettez à votre travail sacré de prendre son envol. Oh, il y a deuxième fois le mot envol. Hein. Aujourd'hui, on s'envole, envolez-vous. Voilà tout ce que je devais vous transmettre pour aujourd'hui. C'était un réel plaisir pour moi. C'est un réel plaisir pour moi. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, des likes, à vous abonner si c'est toujours pas fait, que vous désirez le faire. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et je vous dis à très très vite pour les prochaines guidances, vidéos, messages, etc. À très très vite.